Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour cette semaine de prière inspirée. On va prier pour différentes choses et des choses importantes. Et j'ai la joie aujourd'hui de recevoir une amie José Perrier. Bienvenue José. Merci. Dans cette émission. Je suis heureux de t'avoir parce que ça fait longtemps que je voulais t'avoir dans mon émission. Oui. Et José, tu t'occupes des, entre autres, hein, on en parlera cette semaine, mais des sujets de prière qu'on reçoit à Prière inspirée. Alors, tu as beaucoup de travail. Entre autres, j'ai été voir aujourd'hui sur la boîte mail. Il y avait plus de 650 mails non lus. Et ce n'est pas parce que tu ne travailles pas, mais c'est parce qu'il y en a tellement, on a tellement, tellement de mails, tellement de demandes de prières. Ça, on en parlera un peu plus tard dans cette semaine. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter en quelques mots? On va en savoir un peu plus au fur et à mesure de cette semaine. Ben, premièrement, tu m'appelles toujours Josie. Oui. Alors, je suis maman de 3 enfants, 3 beaux enfants. Puis, je suis mariée avec un beau Stéphane. Ouais, un beau Stéphane, sportif, bien musclé. Oui, oui. Je suis maman à la maison, mais très, 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 très occupée. Puis, on va en parler cette semaine, mais je m'occupe de ministère d'évangélisation à l'Église, ministère des enfants à l'Église. Puis... ministère de prières inspirées, les prières. C'est ça. Pas les émissions, mais les prières. Ouais, t'es très, très occupée. Quand même. Et, ton mari a travaillé quand même assez longtemps avec nous, ici dans les studios de MCI TV. Et voilà, c'est une grâce de pouvoir aussi t'avoir toi dans l'équipe. Ben, merci. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment, un sujet important, un sujet qui touche beaucoup de gens, des millions et des millions de personnes partout dans le monde et entre autres dans la francophonie également, de l'abus sexuel. Et je crois que ça va être pour vous qui nous écoutez et qui avez vécu ce genre de choses, vraiment une journée de guérison, un temps très très particulier pour plusieurs. Je crois que c'est vraiment un rendez-vous divin que Dieu a préparé pour vous. Où il va venir faire ce qui n'a jamais été fait par l'homme. Il va venir et il va toucher là où il y a besoin de guérison. Il va venir avec sa main de père, de bénédiction, le bon Père céleste. Et il va vraiment venir vous toucher, vous restaurer complètement. Et ça, je le crois. Dieu est tellement bon. Oui. Et une des choses, José, de ta vie, c'est que tu es passé par là. Alors, on va un peu découvrir... aujourd'hui, ton témoignage, et on va pouvoir prier aussi par rapport à, par rapport à ça pour toutes les personnes qui sont passées par, par ce temps difficile. Oui, qui sont passées par ce temps difficile, mais aussi qui sont peut-être en combat aussi, puis ils ont beaucoup de symptômes, mais ils savent juste pas quoi faire, comment l'apporter devant Dieu et aussi avoir leur délivrance, puis leur complète guérison à tout niveau, en fait. Puis premièrement, je voudrais dire que toutes les situations, les cas d'abus sexuels, c'est assez compliqué parce que ça touche l'âme, ça touche le corps parfois, puis même parfois, ça, comme je disais tantôt, ça touche, c'est au niveau psychique. Même qu'on peut avoir des choses qui se passent dans notre cerveau, comme un traumatisme en fait. Donc, c'est compliqué. Puis l'acte de l'abus sexuel, c'est l'attaque qui est derrière ça. En fait, ça vient détruire l'image de l'amour de Dieu. C'est le but, en fait. Le but, c'est de détruire la personne. Puis c'est même de détruire aussi, si la personne est en Christ, elle connaît Jésus, mais c'est devenir aussi détruire qui il est dans sa personnalité. Parce que souvent, les victimes, premièrement, ils vont croire que pourquoi Dieu n'était pas là ou pourquoi Dieu n'a pas empêché, toutes sortes de mensonges. Donc, c'est vraiment un acte de perversion puis d'injustice. Puis ça, je veux le mentionner parce que, en fait, Jésus veut mettre la lumière sur l'œuvre des ténèbres pour qu'une fois pour toutes, ça soit brisé dans nos vies. Donc, je vais commencer avec les effets de l'abus. Je vais nommer quelques symptômes, si on pourrait dire. Dans l'âme et émotion, on a la colère, la peur, la tristesse, la culpabilité, la confusion sur beaucoup de choses. Ça, en fait, c'est ce que ça apporte dans la vie de quelqu'un. Puis c'est très sérieux, en fait. Puis c'est pour ça que je dis que c'est compliqué, parce que, sincèrement, Jésus est venu pour les cœurs brisés, puis il y a vraiment juste Jésus qui peut venir guérir une personne qui a été abusée. Peu importe l'abus, que ce soit de la violence ou de l'abus sexuel, il y a vraiment juste Jésus qui peut venir guérir entièrement, puis complètement, à, comme j'ai dit tantôt, âme, corps, et même s'il y a eu un traumatisme au niveau du cerveau.
Il l'a fait pour toi. Oui, amen. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup de choses, comme dans la vie, les relations avec les autres. Ça vient détruire plein de choses. Je vais juste en nommer quelques-uns parce qu'il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître. Parce que comme dans mon cas que je vais expliquer dans pas long, c'était un cas que moi, j'avais oublié. Je ne savais pas, en fait. À l'âge adulte aussi, toutes ces choses-là, tous ces effets-là peuvent se développer en amertume, en colère, en rébellion, en obsession, en comportement sexuel aussi inapproprié. Puis ça, c'est très fréquent. Ça, c'est quelque chose qu'on n'ose pas parler non plus. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est compliqué, mais on doit en parler, en fait. Puis je vais prendre une pause, je veux juste dire aux gens, si vous avez été victime d'abus sexuels, je vous encourage vraiment de vous entourer de personnes qui vous aiment, premièrement, qui sont vraiment matures dans le Seigneur, parce qu'ils peuvent vraiment vous aider ou vous guider vers le chemin de la guérison. C'est très important. D'autres effets aussi de l'abus, c'est que les gens vont avoir un dégoût pour le sexe opposé. La boulimie, l'anorexie. Donc, c'est vraiment tous des comportements qui sont dérangés. Puis, c'est important de le mentionner, je pense. Puis aussi, il y a le déni. Puis le déni, je veux juste dire, c'est quoi? C'est un mécanisme de protection qui nie la réalité perçue puis qui substitue par un monde imaginaire. Donc, c'est un oubli partiel ou total. Mmh. C'est là, si je peux rentrer dans... En fait, dans mon témoignage, moi, c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai grandi... mon enfance, c'était un peu compliqué, si on peut dire. Elle n'était pas très joyeuse, honnêtement, parce que j'avais beaucoup de maladies. J'avais toujours des douleurs dans mon corps. J'étais très, 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 très timide. Donc, on peut dire que si je suis assise ici aujourd'hui puis je suis en train de vous parler, que je suis avec toi, c'est vraiment, ça tire du miracle. Puis, mais c'est un processus que Dieu a fait dans ma vie. Donc, c'est ça, j'étais très, très, très timide. J'avais la crainte de l'homme. Je réussissais pas grand-chose dans ma vie. J'avais toujours l'échec. Puis, il y avait des choses que je me... En fait, de l'âge de 0 à 7 ans, même jeune, je me souviens, je regardais des photos. Puis, c'est comme si je cherchais quelque chose dans mes photos quand moi, j'étais bébé, parce que je me reconnaissais pas, en fait. Je me souvenais pas, puis ça me dérangeait. Puis vers... je veux juste mentionner aussi que vers l'âge de 8 ans environ, j'ai vraiment compris. En fait, j'ai eu une révélation de la croix. Puis cette journée-là, je veux toujours m'en souvenir, j'ai eu une paix qui est venue sur moi. Puis j'ai pleuré. Puis même quand j'étais allée voir ma mère, puis je disais, « Maman, est-ce que tu comprends? Mais Jésus, il est mort pour mes péchés. » Puis je le mentionne parce que je trouve ça assez spécial qu'à 8 ans, ouais, c'est sûr qu'il y a la repentance, mais déjà à 8 ans, je portais déjà un gros fardeau. Mmh. Tu sais, oui, on a tous péché, mais ce que l'abus sexuel vient faire dans notre vie aussi, c'est qu'on vient porter des péchés qui ne sont pas les nôtres. Puis c'est un acte de péché qui est commis sur nous. Donc, c'est une injustice, oui, absolument. Mais on devient quand même, tu sais, sans le vouloir, on devient une victime. Puis ça, bien, ça nous quitte pas, en fait, toute notre vie, ça nous suit. Puis, vers l'âge de 16 ans, c'est quelque chose qui m'a mis la puce à l'oreille, en fait, c'est que je me suis fait violer. Puis, j'ai dit non. Tu sais, au début, je disais non, non, non. Puis après, j'ai juste abandonné. J'ai carrément laissé la personne faire. Puis même si je n'étais pas au Seigneur, j'avais pas nécessairement l'esprit de vérité, mais je savais qu'en dedans de moi, le comportement n'était pas normal. Donc, c'est là que j'ai commencé à chercher la vérité, mais dans toutes sortes de choses, le nouvel âge et toutes ces choses-là. Puis malheureusement, mais ça l'a fait que j'ai ouvert d'autres portes que j'aurais pas dû ouvrir, soit dans le péché ou soit dans toutes sortes de choses. Puis quand finalement... J'ai décidé de donner ma vie à Jésus vers l'âge de 25 ans. Ben, c'est là que j'ai dit, là, je suis juste plus capable, Seigneur, de porter tout ce que je porte. Mm. Premièrement, les péchés des autres. Même, c'est inconscient parce que je savais qu'il y avait des choses qui étaient sur moi, qui ne m'appartenaient pas. C'est vraiment spécial.
Donc, j'ai vraiment dit à Jésus, je te les donne, je suis plus capable. Puis, je te donne aussi mes péchés parce que j'étais consciente que je m'étais amenée aussi dans une vie de péché. Puis, je le mentionne aussi parce que quand on est victime, c'est la chose qu'on des fois on a difficulté à voir ou à vouloir comprendre, c'est que le péché, la porte du péché qui est ouverte sur notre vie, mais ça nous a amené aussi à avoir une vie de péché. Puis ça, c'est très difficile pour des gens qui ne veulent pas lâcher, en fait, le statut de victime. Donc, quand j'ai donné ma vie à Jésus, vraiment, ce soir-là, j'ai eu la paix surnaturelle dont la parole parle, qui est venue sur moi, qui m'a envahie, puis que je savais que je savais que je savais que je savais que tout serait correct, en fait. J'ai pas dit que du jour au lendemain... Tout était correct, mais je savais que tout serait correct, en fait. Puis... Et donc, il y a eu cette première période-là que tu avais... Que tu savais... C'était un peu la confusion, le trou noir. Ouais, vraiment. Puis l'abus à l'âge de 16 ans, tu m'as dit? Oui. 16 ans. Et là, quand tu donnes ta vie au Seigneur, donc il y a des répercussions, des conséquences. Tu en as parlé de plusieurs. Le fait de ne pas s'aimer ou toutes sortes de choses. Et là, tu sens ce soir-là, quand tu donnes ta vie à Jésus, que tout va bien. Mais ouais. La délivrance, elle ne vient pas directement, mais par contre, la paix vient. Ah, cette paix, en fait, aujourd'hui, je comprends. Là. Tu sais, c'est comme si aujourd'hui, je peux voir les morceaux de casse-tête. Mmh. Je peux les mettre ensemble et je vois le gros portrait, vraiment. Puis oui, mais en fait, je me suis souvenue que c'était la même paix que j'avais sentie vers l'âge de 8-9 ans, quand j'ai compris que Jésus-Christ était mort à la croix pour moi. C'est cette même paix-là. Parce que je l'ai cherchée dans le Nouvel Âge, comme j'ai dit tantôt, dans les trucs, dans plein de choses, même l'hypnotisation, pour essayer d'aller chercher cette paix que j'avais pas, que j'étais incapable d'avoir. Puis oui, absolument, c'est vraiment une paix que je savais, comme j'ai dit tantôt, que tu sais, que tout va être correct. Puis il y a juste Jésus vraiment qui peut apporter ça. Puis je savais que j'avais trouvé la vérité. Et là, je savais que là, je prenais un chemin différent. Puis mon salut a vraiment été radical, en fait, parce que j'ai été guérie de toutes, pratiquement, ben oui, toutes les maladies qu'il y avait dans mon corps, comme des douleurs aux jambes, des allergies, toutes ces choses-là, j'ai vraiment été guérie cette journée-là, en fait, parce que j'ai jamais plus eu de douleur après. Puis c'est là. Puis comme j'ai dit, mon enfance n'était pas trop joyeuse. Aussi, une chose qui s'est passée en moi, c'est que je ne croyais pas que les gens m'aimaient pour vrai. Donc, quand j'ai donné ma vie à Jésus, c'était l'amour de Dieu, c'était quelque chose dont je savais que je ne devais pas m'éloigner, au contraire, mais que je devais me rapprocher, mais c'était difficile pour moi. Mais moi, je suis comme ça, je suis quand même une fonceuse. Donc, j'ai dit, tu vas me montrer, Seigneur, combien tu m'aimes, parce que c'est pas normal que je suis pas capable de faire confiance à personne. Puis je devais faire confiance au Seigneur parce qu'il était vraiment le seul qui pouvait complètement me guérir de ce que je savais pas vraiment, ce qui se passait en moi, que je vivais, que j'avais. Mais je savais que... Donc, premièrement, c'est on peut le noter, mais la première chose à faire, c'est vraiment... c'est de demander à Dieu de venir nous toucher de son amour. C'est vraiment c'est la première étape, en fait. C'est de se rapprocher de l'amour de Dieu. La Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En fait, c'était un peu ça. Tu étais comme esclave, mais sans savoir vraiment par quel lien ou par quel bourreau, en fait. Mais tu te sentais esclave de caractère, de choses qui étaient en toi. Oui, puis comme j'expliquais tantôt, des fois, je faisais des crises. Puis ça sortait vraiment tout d'un coup. C'est comme s'il y avait un tourbillon à l'intérieur de moi. J'ai vivais une situation qui n'était pas si grave que ça. Puis là, je me mettais à crier, mais ça devait sortir. Puis des fois même, je lançais des choses, pas vers les gens, mais j'avais juste le besoin de briser ou juste de lancer quelque chose. Puis encore là, quand j'ai commencé à demander à Dieu de me montrer son amour, c'est là vraiment que... Puis comme j'ai dit, j'étais une fonceuse. Donc, j'ai dit, Seigneur, je veux que tu me montres ce qui ne va pas bien en moi. Je veux le savoir. Puis c'est là que vraiment le Saint-Esprit m'a guidée. Mon premier travail, ça a été de travailler dans une librairie chrétienne. Puis le Saint-Esprit, je demandais à Saint-Esprit,
qu'est-ce que tu veux que je lise, quel livre. Puis c'est ça, il m'envoyait tout le temps vers des livres sur la relation d'être. Puis quand ça parlait de bisexuel, bien, je me voyais tellement, c'était moi. Mais ça a pris un moment avant de dire, je le prenais, puis je disais, oui, est-ce que c'est vraiment moi? Donc, ça a été comme ça, tranquillement, que le Saint-Esprit m'a amené à découvrir la vérité. Puis là, à un moment donné, j'ai eu un songe. Il m'a montré une situation avec un membre de ma famille. J'ai été voir ce membre de ma famille. J'ai demandé bref, elle a confirmé quelque chose dans ma vie. C'est là que j'ai commencé à dire à Dieu, OK, je pense que c'est ça qui m'est arrivé quand j'étais jeune. C'est pour ça que je me souviens pas. Mais c'est vraiment, c'est le Saint-Esprit vraiment qui a emmené des situations dans ma vie, des moments pour recoller les morceaux de casse-tête. C'est comme s'il a pris mon âme, en fait, je pense, puis qu'il l'a remis en entier, en m'en montrant les choses. Puis, mais la grosse, grosse, grosse révélation, c'est vraiment quand on se préparait pour une conférence qu'on faisait avec ta femme, justement. Puis, on cherchait un témoignage d'abus sexuels. Puis, pendant que je préparais la conférence pour un autre sujet dont je devais parler, j'étais assise, je passais du temps dans la présence de Dieu, puis là, tout d'un coup, la présence de Dieu est descendue sur moi, mais avec tellement de puissance. Puis là, Dieu m'a parlé, puis il m'a dit, Josée, c'est toi le témoignage. Puis là, j'ai compris. Là, c'était comme une révélation vraiment de la vérité au complet. Que c'est là que j'ai compris vraiment que ça m'était arrivé, puis j'avais été une victime d'abus sexuels, jeune. Par un membre de ma famille. C'était pas mon père, mais un membre dans la famille. Puis à ce moment-là, je me suis mis à pleurer. J'ai pleuré. Vraiment pendant longtemps, mais c'était des pleurs de délivrance. Puis là, le Seigneur me dit, mon père dans le ciel me dit, Josée, tout ce qui t'est arrivé, ça n'a jamais été mon plan pour ta vie. Donc, c'est comme ça que le Saint-Esprit est venu guérir a commencé vraiment à entamer une guérison profonde, profonde, profonde. Amen. Merci, hein? Merci de ce témoignage. Je crois que le Seigneur a déjà commencé à toucher beaucoup de gens en ce moment même. Plusieurs, vous pouvez maintenant être touchés par le Saint-Esprit. Et plusieurs, vous êtes en train de pleurer maintenant et la présence du Saint-Esprit est là sur vous et ce travail qu'il a commencé ce soir, peut-être même certains depuis un moment, peut-être depuis des années, des choses qu'il a commencé à vouloir restaurer, guérir, et vous avez peut-être fermé votre cœur à un moment. Ce soir, le Saint-Esprit est là sur vous. Et je crois qu'une chose importante, c'est de pouvoir ouvrir votre cœur. On va passer un temps de prière maintenant. Et ouvrez votre cœur vraiment à la présence du Saint-Esprit parce qu'il est bon. Parce que tout ce qu'il fait, c'est parfait, c'est pur. Et Josée, tu vas nous aider, les personnes qui sont passées par là, qui ont besoin de cette guérison, à pouvoir y entrer. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui? Mais premièrement, comme je disais tantôt, il faut choisir l'amour. Parce que l'amour parfait de Dieu bannit toute crainte. Puis c'est souvent quelque chose qui vient envahir les victimes d'abus sexuels, c'est la peur, la crainte. Même la peur qui est intense. Donc, c'est la première chose qu'on doit s'abandonner, puis vraiment, on doit faire confiance au Seigneur. On doit prendre une décision, puis dire, Seigneur, je te donne mon cœur, pas juste à moitié, mais en entier. Et je choisis aujourd'hui de te faire confiance avec mon cœur. Puis je te fais confiance aussi avec les choses que tu vas me révéler, que tu vas me dévoiler, que j'ai besoin de voir ou de comprendre. Parce qu'en fait, tout ce qui reste dans les ténèbres, nous le savons, bien, ça va rester dans les ténèbres. Puis les ténèbres ne chasseront pas les ténèbres. Il y a vraiment juste la lumière de Jésus-Christ dans notre vie qui peut venir chasser tout ténèbres. Puis une fois que la lumière est faite, bien, en fait, ça ne revient pas dans les ténèbres. C'est ce qui est merveilleux. Donc, vraiment, Jésus-Christ, c'est vraiment le seul. Sans Jésus-Christ, en fait, c'est impossible d'avancer vers le chemin de la guérison quand on a subi un abus sexuel ou un abus de violence ou peu importe. C'est vraiment important.
Donc, puis aussi, on a besoin aussi de demander au Seigneur, à Jésus, de venir dévoiler, comme j'ai dit tantôt, mais toute sa vérité, de venir restaurer la vérité dans nos vies. Comme moi, je l'ai expliqué tantôt, jeune, je me faisais vraiment un monde imaginaire dans ma tête. Puis, je me faisais des histoires. En fait, c'était pour m'amener une paix. Mais c'était pas une paix qui durait. Mais donc, ça aussi, ça avait besoin d'être restauré. Parce que même pendant longtemps, même après avoir donné ma vie à Jésus, j'avais encore le réflexe ou un mécanisme, on peut dire, de quand les choses allaient mal, de partir dans des histoires, en fait, dans ma tête. Mais ça devient comme presque une obsession. Puis c'est pas une bonne chose, en fait. C'est parce qu'on a besoin de la vérité. Puis donc, c'est ça. Puis aussi, il faut pardonner. Ça, c'est une chose. Moi, personnellement, la personne était décédée, mais il ne faut pas ignorer. Il faut pardonner. Puis je veux renoter que c'est une des raisons pourquoi le Seigneur, en fait, il ne s'amuse pas à ramener les choses du passé. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, des fois, ils disent « Oui, mais il ne faut pas retourner dans le passé. » Oui, je suis d'accord, mais il y a des choses qui ont besoin d'être mises en lumière pour que, justement, on puisse en être libéré. Parce que la parole dit « Si vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ou fera de vous des hommes. » Moi, je rajoute toujours des femmes libres. Donc, c'est vraiment important de prier pour que la vérité vienne envahir âme, corps, puis toutes nos pensées, vraiment. Donc, je pense qu'on a des bons sujets. Ouais. Peut-être pour ceux qui écoutent maintenant, tu pourrais peut-être les guider dans une prière. Mm-hmm, tu pourrais peut-être répéter ou... Oui, absolument. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, absolument. En fait, toi, Seigneur, tu vois les gens qui nous regardent, qui nous écoutent. Toi, Seigneur, tu as vu par où ils sont passés. Tu as vu les souffrances. Puis, Seigneur, à un moment donné dans ma vie, tu es venu me voir et tu me dis que toutes les choses qui m'étaient arrivées, c'était pas ton plan pour ma vie. Puis merci, Seigneur, parce que aujourd'hui même, toutes les personnes qui nous écoutent, tu leur dis la même chose. Premièrement, tu veux restaurer cette vérité dans leur vie, que toutes ces choses qui leur ont arrivé, ça vient pas de toi, puisque ça n'a jamais été ton plan pour leur vie. Merci, Saint-Esprit, parce que tu leur donnes la force et le courage maintenant de s'abandonner à toi. Maintenant, de choisir l'amour. De choisir de pardonner. De choisir de te donner leur cœur en entier. De choisir de te faire confiance. Maintenant, vous pouvez dire toutes ces choses au Seigneur. De vraiment vous abandonner complètement à lui et de demander au Saint-Esprit de vous amener sur le chemin de la guérison complète. Jésus-Christ, tu es venu pour les cœurs brisés. Et tu es vraiment le seul Jésus qui peut apporter cette guérison dans les âmes qui ont été abusées, dans les corps qui ont été abusés, Seigneur. Puis vraiment, je sais que trop longtemps le diable a voulu garder ces personnes dans la noirceur. Mais je déclare qu'aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus-Christ,
C'est le jour du salut, de la délivrance pour vos corps, pour vos âmes. Vraiment, Saint-Esprit, c'est aujourd'hui que tu amènes toutes ces personnes, Seigneur, qui nous écoutent, qui nous regardent, qui ont été victimes d'abus sexuels. Seigneur, c'est aujourd'hui, Saint-Esprit, que tu les amènes sur le chemin de la guérison. Merci, Jésus-Christ, parce que tu viens faire l'impossible dans leur corps puis dans leur âme. Merci, Jésus-Christ, parce que maintenant, tu les délivres de tout ce qui s'est rattaché à eux depuis le début, depuis le commencement des abus dans leur vie, Seigneur. Puis je veux déclarer sur vos vies, par le nom puissant de Jésus-Christ, que vous n'êtes plus des victimes. Et choisissez aujourd'hui aussi de ne plus être des victimes. Déclarez que Jésus-Christ vous a racheté à un grand prix. Père, je te remercie. Parce que tu es puissant. Et je prie maintenant pour ces jeunes filles, ces jeunes garçons, ces hommes, ces femmes. Je déclare ta puissance sur eux et ta libération. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à tout esprit impur de quitter les corps, quitter les âmes maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Vous lâchez maintenant prise. Vous sortez de cette personne au nom de Jésus-Christ. Je déclare la guérison, la restauration sur vous. La puissance de Jésus maintenant est sur vous. Sa main est sur vous. Restez le cœur ouvert, laissez-vous toucher par la main du Seigneur et il vous fortifiera, il vous guérira, il vous restaurera dans le nom de Jésus-Christ. Le meilleur est à venir, le meilleur de Dieu, le meilleur pour vous. Il vous restaure maintenant, il met tout à la lumière pour vous affranchir totalement. Vous êtes libre au nom de Jésus-Christ. Amen.